Léa se trouve actuellement dans une situation de désarroi. Quelques mois en arrière, cette mère, dont le fils est âgé de 4 ans, avait pris part à l'émission diffusée sur M6, intitulée « Mariée au premier regard », dans l'objectif de trouver un partenaire amoureux. Au cours de la 7e saison de ce programme, elle avait fait la connaissance d'Emmanuel. Après plusieurs semaines de bonheur conjugal, le couple a finalement décidé de mettre un terme à leur relation, comme ils l'ont probablement communiqué sur leur compte Instagram en ces termes. Bien que nous nous soyons engagés à veiller mutuellement, nous avons choisi de laisser nos alliances ici, tout en demeurant unis, quels que soient les défis que l'avenir nous réserve. De retour sur la scène des célibataires, il convient de noter que Léa ne se trouve pas dans une situation d'isolement. En effet, cette jeune dame partage sa vie avec une chienne nommée Stella, à laquelle elle est très attachée depuis son adoption en juin de l'année dernière. À ce propos, elle a partagé « Stella, âgée d'un an, a connu quelques complications qui l'ont empêchée de demeurer dans son élevage et de se reproduire. Nos chemins se sont croisés la semaine dernière, et cela est apparu comme une évidence pour moi, en évoquant sa rencontre avec ce bulldog français. Malheureusement, il est à déplorer que l'animal en question ait subitement disparu. » Cette triste nouvelle avait été annoncée par Léa au début du mois, où elle avait partagé « Ma petite Stella a malheureusement disparu cette nuit, dans la région de Lignan. Elle est de petite taille et d'un tempérament très craintif. » Dans cette publication, elle avait sollicité la collaboration de tous afin de diffuser largement l'information, dans l'espoir de retrouver son chien dans les plus brefs délais. Malheureusement, le jeudi 26 octobre 2023, Léa a fait partie de sa consternation face à l'incapacité persistante de retrouver son chien. Elle a alors publié une vidéo montage mettant en avant les moments les plus mémorables partagés avec l'animal. Dans ses propres mots, « Le vide laissé par ton absence, Stella, je conserve l'espoir de te revoir et tu ne seras jamais oubliée. Je réalise de plus en plus l'affection que tu as apportée à notre foyer, qui est et restera toujours le tien. Je prie pour le retour de Stella. Le partage demeure ma seule source d'espoir pour te retrouver. » Elle s'est exprimée avec un profond sentiment de désarroi.